Alors que Michael Schumacher tente encore de se remettre de son accident de ski survenu il y a quelques années, un bien valeureux du pilote est, récemment, mis en vente. Découvrez lequel. Quelques mois après avoir vendu sa villa en Suisse, il a été annoncé que Michael Schumacher met en vente un autre objet. Il s'agit de sa première monoplace. Il cite une collection Michael Schumacher à marque le monde de la Formule 1. Malheureusement, en 2013, le pilote a été victime d'un terrible accident de ski qui lui a laissé de grosses séquelles. Par contre, depuis près de 7 ans, le quinquagénaire est paralysé et ne peut plus parler. Fort heureusement, le passionné de sport automobile a toujours pu compter sur le soutien de sa femme Corinna Schumacher. Cette dernière a fait de elle, état de santé de son mari, une priorité depuis elle, accident et a même pris la décision de vendre leur villa en Suisse, en avril 2021, afin de financer les soins médicaux de son époux. Deux mois plus tard, c'est un tout autre bien du pilote que lui et sa famille ont tenu à mettre en vente. Il s'agit de sa Jordan Ford 191, qu'il a utilisé quand il est entré dans le monde de la Formule 1, en 1991, en participant au Grand Prix de Belgique. Un objet emblématique comme elle, à rapporte The Sun, la première monoplace de elle, allemand est déjà disponible sur le site de Degré Speedmaster car, plus ou moins. Il est vendu à pas moins de 1,25 million de livres sterling, soit plus de 1,45 million d'euros. Ce nouvel objet que vend la famille Schumacher est valeureux puisque avant d'appartenir au mari de Corinna, l'engin a appartenu à Bertrand Gachot. C'est après que ce dernier a été en ferme pour avoir agressé un chauffeur taxi, que la Jordan Ford 191 a été achetée par Michael Schumacher qui avait que 22 ans à l'époque et venait tout juste de commencer sa carrière. Les revelations de son fils Mi à part son métier de pilote, Michael Schumacher est aussi père de famille dans la vraie vie. Parmi ses enfants, Mick Schumacher, qui est également passionné d'automobile. Une interview avec la Gazzetta dello Sport, le jeune homme a fait des revelations sur son papa. L'ex-pilote de Formule 1 Michael Schumacher. Photo, Getty Images pour plus d'actualités sur vos stars préférées, abonnez-vous à mon mame sur Google News.